Salut à tous! En attendant le mois d'avril 2021 pour la sortie de la plateforme Prépa Golf, avec des tas de séances et de contenus adaptés à tous vos besoins, retrouvez-nous dès maintenant sur nos réseaux sociaux Prépa Golf, YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'activer les notifications pour recevoir toutes les infos de nos petites vidéos. À très bientôt et bonne vidéo! Je sais pas vous, mais moi, depuis le déconfinement, j'ai la chance d'avoir du temps, donc je rentabilise et je joue quasiment tous les jours. Gros désavantage, c'est que le matin, le dos, il tire, mais fort, 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 fort. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vous montre un petit tips pour le déverrouiller. Au matin, à la fraîche, tranquille, pour pas attaquer la journée du meilleur pied possible. Je vais me mettre de profil pour vous montrer tout ça. Vous allez vous mettre à genoux et venir vous asseoir sur vos talons. Si vous n'avez pas la souplesse, c'est pas grave, on reste assis comme ça. Ce que je vais venir chercher le plus loin possible. Voilà. Les gens qui notamment ont eu des opérations au niveau des genoux, vous allez être comme ça. Mais l'objectif, ce sera de garder les fesses les plus proches possibles des talons. Et là, je vais respirer le plus profondément possible. On va sentir l'étirement ici. Et une fois que j'ai fait mes deux cycles de respiration, je vais venir basculer là, sans bouger les points d'appui et venir rapprocher le bassin. Et je reviens en position initiale. Et j'essaye d'aller chercher un petit peu plus loin. Je fais mes cycles de respiration. Et je répète ce mouvement pour bien déverrouiller le dos. Et une fois que c'est terminé, pas de mouvement brusque, c'est un déverrouillage, je relâche tranquillement. Voilà pour le petit tips du jour, à bientôt pour d'autres conseils.